Bon, en vrai, c'est très rapide, juste présentation d'efficience. Il n'y a pas grand-chose à dire. On est une association qui a été fondée dans les 4 ENS. Et ensuite, donc, on s'est emparé de ce qu'on appelle, donc je répète un petit peu ce que j'ai dit ce matin, mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Donc, on s'est emparé de ce qu'on appelle des axes de recherche dits impliqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de problèmes de recherche, et notamment la sûreté de l'intelligence artificielle, et qu'ensuite on met en place donc la recherche à la fois fondamentale, mais aussi recherche empirique sur toutes ces questions-là pour essayer de résoudre les problèmes qui potentiellement sont des enjeux impérieux de société. Donc à Efficience, il y a trois pôles thématiques, le pôle biorisque, pôle changement climatique et pôle sûreté de l'intelligence artificielle. Et il y a aussi un pôle transversal qu'on appelle le pôle action publique qui essaye de faire le lien entre la recherche et les actions qui sont prises et déployées dans le politique. Voilà. Voilà, donc par la recherche pour la société. Regardez comment on est beau et joyeux. Donc à l'issue des bootcamps de formation. Donc ça, c'était après le premier bootcamp de formation. Donc c'était pendant l'été. C'était pendant l'été. Là, c'est donc les sprints de recherche qu'on organise. Et donc là, c'est des conférences. Voilà. Donc il y a différentes activités. Peut-être ça, je reviens juste après. Donc voilà, on organise donc des séminaires en IA et en biorisque. Donc dans cette journée de formation, elle est adaptée d'un séminaire qu'on donne ici à l'ENASUL, mais aussi au Master MBA. Donc il y a des programmes de recherche avec nos amis les PSC, Alix. Donc on fait des sujets d'interoperabilité et des choses comme ça. Donc vous faites de l'interoperabilité des transformers, ce genre de choses. Donc des hackathons, des choses comme ça, des camps de formation. La journée de formation, du coup, vous avez pu y goûter aujourd'hui. Le coworking à Ulm, donc c'est tous les vendredis, c'est ce qu'on appelle les vendredis IA. On arrive ici à Ulm vers 13h, on mange ensemble et ensuite on cowork tout après-midi sur des thèmes de recherche. Donc si vous voulez participer à tout ça, c'est très cool. Et souvent, les soirs du vendredi IA, même si vous ne faites pas la partie coworking, vous pouvez nous rejoindre pour une présentation qui se fait souvent ici en salle W ou en salle Cartan, qui est au sous-sol, sur un thème, et ensuite il y a une soirée pizza ou discussion, ce genre de choses. Et nous avons aussi un Discord qui s'appelle le Discord de sûreté de l'IA. Donc toutes ces choses-là sont accessibles via ce lien-ci, donc le Linktree Efficient AI. Donc si vous voulez accéder au Discord, vous pouvez aller sur cette chose-là. Et vous pouvez aussi remplir le formulaire de retour sur la journée de formation en accédant au QR code qui est ici. En vrai, même s'il reste encore une conférence, je suis chaud que vous preniez 5 minutes maintenant pour remplir le questionnaire, parce que je sais que si je donne le questionnaire à la toute fin, vous n'allez pas le faire. Donc faites-le maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Et en remerciement du questionnaire, vous trouverez aussi le jeu, le deck de slides. Voilà, très joli cadeau que vous pouvez offrir à Noël pour votre famille.